L'aller-retour de scène, j'entends un peu de son de façade. Ça va bien, quoi. Sur le côté, du côté des claviers. Tu sais que même si je pète une corde ou quoi que ce soit, je peux la poser et aller en choper une autre, plugger le jack et puis elles sont accordées, elles sont là, quoi. Toujours à disposition. Tous les meilleurs HF du monde, et ça me plaît pas. Bon, d'abord, je suis pas le genre de mec à faire des bonds sur scène, à faire des pirouettes ou à m'amuser à faire la scène de long au large ou à aller m'asseoir sur les genoux d'une fille au balcon. J'ai envie d'avoir un grain particulier et avec un câble traditionnel, quoi. Je suis plus proche, toi, de ce que j'ai envie. J'ai pas envie de longs câbles, pour garder un maximum de vérité, en tout cas de pureté par rapport à ce que je recherche dans le son, quoi. Comme ça. Ouais, c'est les boutons, effectivement. Enfin, c'est les boutons, c'est d'origine. Non, il y a quelques pièges parce que c'est vrai que les boutons sont pas de l'époque de la guitare, mais la guitare est
C'est une Les Paul, t'as mis en plein dedans. Maintenant, est-ce que tu peux... C'est une Les Paul années 70. Ouais, fin 70, absolument. Ouais, parce qu'il y a une grosse... Le gros bending. Ouais. Donc, fin 70, Lig 20, c'est une... Bah, tu peux aller jusqu'au modèle. Les Paul standard. Absolument. Ouais. À Paris, j'aime bien aussi pouvoir l'amener en tournée, c'est-à-dire je fais pas un spectacle spécial pour Paris et après en tournée on fait la même chose mais en cheap, tu vois, parce que c'est que la province, tu vois. Moi j'aime bien pouvoir concevoir quelque chose qui sera la même chose partout, quoi, avec des modifications suivant les salles, parce que toutes les salles ressemblent pas à l'Olympia malheureusement, mais il y a des endroits sympas, des théâtres, tout ça, qu'on peut aménager d'une manière vraiment bien. Je crois que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est les musiciens, c'est la musique, c'est les premiers disques que j'ai écoutés. C'est pas en fin de compte toute la poudre aux yeux ou le tape à l'œil qui gagne autour. Je suis fan, j'ai été fan de tas de gens, mais j'ai jamais eu envie d'avoir un bout de leur liquette ou une mèche de cheveux ou d'avoir leur teigne, tu vois, ça n'a jamais été mon problème, quoi. Donc. J'agis plus en fonction d'une sensibilité, d'un feeling, d'une musique, d'une honnêteté, je pense, quoi. Sans faute. Le gros piège, en te connaissant, je ne dis rien. Oula, tête qui penche. Qu'est-ce que c'est encore que ça rate? Ah bah oui, ok. Travis Bean. Et ben voilà. Ouais. C'est vrai que la tête est particulièrement reconnaissable. Ah ouais, là tu reconnais tout de suite avec ce truc. J'avais un doute sur le manche parce que c'est... Parce que celui-là, il est laqué quand même. Ouais, parce que normalement c'est des manches en ferraille. Ouais. Donc en général, on a une sensation tout de suite. Déjà là, il est froid, quoi. Il y en a eu des non laqués et celui-là, il était laqué. Donc, ouais. Mais bon, la tête, c'est reconnaissable. C'était le piège de la soirée, mais en fin de compte, tu t'es fait piéger sur Libanais. Ouais. Tu peux l'enlever, je pense. Hein. Il a le droit de l'enlever. Hein.